Les élèves de l'école de Boubouy connaîtront enfin la joie d'étudier dans des conditions améliorées. Ils viennent de recevoir, de la part de la première dame, Tina Marguerite Touadéra, des tables bancs et des kits scolaires. Un geste maternel de la mère de la nation pour soutenir ses enfants dans leur parcours scolaire. Aujourd'hui, nous sommes à Boubouy pour vous distribuer, grâce à l'appui de l'UNICEF qui nous a fait don de ces kits scolaires, pour permettre à l'équipement, à l'équipe d'enseignement de mieux encadrer les enfants. S'étant engagée depuis bientôt un an pour la cause des plus petits, la première dame souhaite à travers cet acte redonner confiance aux âmes perdues. L'espoir de naissance en 6 milliers d'adolescents et de jeunes permet de voir poindre devant eux un avenir meilleur. En exhortant les parents pour la majorité Peul à scolariser les enfants et surtout la jeune fille, maman Tina Marguerite Touadéra a donc insisté sur la nécessité de préserver jalousement ce matériel pour les années prochaines. Je profite également de cette occasion pour exhorter les parents sur la scolarisation des filles. Je les invite surtout, ceux vivant en milieu rural, de veiller à ce que leurs enfants soient traités de la même façon que les garçons. Un geste humanitaire de la mère de la nation qui vient en soulagement à des centaines de milliers d'élèves centrafricains à travers le pays qui connaissent un important retard face au désagrément que vit l'école centrafricaine depuis plusieurs décennies.